Bonsoir à tous les amis, bienvenue pour un nouveau live. Ça fait super plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout le monde va bien, que tout le monde est très chill, très cool. Il y a déjà du monde, je vois ATNG qui est là, je vois mon Alex qui arrive et qui lâche directement 5 subs. Merci à toi mon Alex, tu es au top, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, Eagle Eye qui est là, mes salutations distinguées, mais merci à toi, salutations distinguées également. Neyma Junior, Momo qui est là, merci beaucoup d'être présent les amis. Axman, la team des modos qui est là, ça fait super plaisir. Personne qui est également au rendez-vous, merci beaucoup. J'ai une question, aïe, coup de pression de Axman directement, je t'écoute. Bonsoir Momo. Bah vas-y, pose ta question. Et Charles qui est là aussi. Bienvenue à toi Charles. Et Marvel Galactus. Bienvenue. Marvel Galactus, j'avais pas vu le L. Marvel Galactus, bienvenue également. La soirée avec Charles Player, t'as le droit d'en parler. Oui. Je n'ai pas signé de NDA ou d'embargo avec Yannick, mais très honnêtement, je ne sais pas grand-chose. Hein. Je sais juste que je suis invité. Alors, je connais l'invité avec qui je suis invité. On sera deux par deux apparemment. Et c'est à moi, je passerai à 23h45. Donc, on streamera jusqu'à 23h30, 23h40. Et c'est vendredi soir. Et moi, je passerai un quart d'heure. Apparemment, on passera un quart d'heure. Donc, de 23h45 à minuit. Je serai chez Yannick et Roman, la chaîne des Sharp Players. Je sais juste qu'ils vont faire une grosse soirée de début 2023. Mais malheureusement, je n'en sais pas plus. Je serai surpris moi également. Je regarderai ce quart d'heure. Alors bah, merci Gulai, ça fait super plaisir. Et la soirée que tu as passée avec Sam Other cet été, tu as le droit... Faut pas dire. Salut à toi Dedo, bienvenue. Bon les gars et peut-être les demoiselles, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas qui se cache derrière les pseudos. Mais vous êtes prêts? Parce que ce soir, c'est du sang, de la sueur et des larmes, comme dirait monsieur Jason Schreier dans son bouquin. Puisque nous allons jouer à Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, la soirée qu'on a passée à Cologne, il faut pas en parler. Non plus Axman, non plus. Cette Gamescom, nous en parlons pas. T'as déjà joué à Crash Bandicoot Twinsinati, un des meilleurs Crash, tu devrais tester. Alors les modos, pouvez-vous me bannir Marvel Galactus, s'il vous plaît? Non, on peut pas dire ça. Les meilleurs, c'est Crash Bandicoot 1, 2, 3 et CTR forcément. Crash Bash et on va dire Crash la vengeance de Cortex. Mais après, ouais. Le Twinsinati, il passe un petit peu. Mais alors après, c'est une catastrophe sans nom. Et coucou mon Reda, j'avais pas vu, il y avait Reda aussi. Dernier avertissement Marvel, oui voilà. Enfin allez, le Twinsinati ça passe encore, mais alors après, après c'était déplorable. Et Crash Bandicoot 4 que je trouve qui est très très cool. Voilà, ben Romain il arrive directement, il est d'accord avec moi, donc voilà, bravo Romain, merci. Crash 4 est cool, voilà. Ça c'est bien ça, tu vois, c'est les gens, ils arrivent. Ils parlent pour la première fois sur le live, ils sont directement d'accord avec toi. Ça, c'est bien ça. Crash Bass, grosse nostalgie. Ouais, mais on le fera aussi. On va faire, de toute façon, là, on fait Crash Bandicoot, après on fait le Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, CTR, et on fera un petit Crash Bash, une soirée sur Crash Bash. Moi, j'avais pas non plus ultra kiffé, j'avais bien beaucoup aimé Crash Bash, attention. Hein. Mais, bon, c'était... je sais pas. Est-ce que c'est psychologiquement parce que c'est le premier Crash qui n'a pas été par Naughty Dog, je ne sais pas. Mais et on fera Crash Bandicoot 4 aussi, hein, bien sûr. Mais je sais pas. Voilà. Je Crash Bash. Je pense que j'ai tellement passé de temps sur CTR que même quand Crash Bash est sorti, j'ai continué CTR. J'ai eu Crash Bash à sa sortie, mais c'est pas celui que j'ai passé le plus de temps. On va dire qu'il y avait du potentiel. C'était le premier Crash Bandicoot en 3D un peu ouvert. Oui, voilà.
On est d'accord, Marvel. Marvel Galactus, voilà. Allez, on note l'avertissement, ça passe. Mais voilà, dommage qu'il n'y ait plus de plateforme 3D à part les Mario. Bah, il y a encore les Ratchet et Clank, hein. Ratchet et Clank, ça continue, hein, ça continue. On a eu bah, le suivi sur PS5 l'année dernière, qui était vraiment pas mal. Personnellement, je trouvais qu'il était vraiment pas mal. Mais si, c'est vrai que ça a vachement. C'est vrai que sur PlayStation, c'était l'Eldorado entre Sly Cooper, Crash Bandicoot, Jak and Dexter, Spyro, Ratchet et Clank. Il y avait quoi encore? Putain, il y en avait Little Big Planet. C'est vrai que c'était un peu l'Eldorado sur PlayStation et que ça a tendance à se perdre, malheureusement. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que Medieval, même si c'était un petit peu plus. Ça restait un platformer, mais je parle vraiment voilà, des trucs un peu voilà, à la Crash, Spyro, Jak and Dexter, Sly. Sly, on les fera aussi forcément. Les Spyro, on les fera aussi forcément. Mais ouais, c'est vrai que. Un petit peu déçu de voir que ce genre. Ben, disparaît un petit peu, alors qu'ils sont trop bons. Mais on a eu Astrobot, hein. Astrobot et Astrobot VR, c'était incroyable. Je suis pas trop fan, mais chaud. Pas trop fan de quoi, Reda? Faut que tu fasses Heart of Darkness. Ouais, je connais pas du tout. Moi sur PlayStation 1, j'avais Croc. Croc, c'était le feu. Croc, c'était vraiment fou. Hein. J'espère qu'il y aura un Spyro 4. Ah, j'espère tellement, mais ça semble mal engagé. Hein. Ça semble très mal engagé. Yooka-Laylee était pas trop mal. Je connais pas non plus. En fait, il y en a tellement eu des jeux de plateformeur dans les années 90 et début des années 2000 que. Ah ouais, faudrait que je regarde ton top 10. Mais oui, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de vidéos sorties. Mon top 10 des jeux que j'attends le plus. Il y a eu bah, les prédictions Rockstar Mag. Il y a eu bah, hier les prédictions Naughty Dog Mag que j'ai foiré. Ça devait sortir aujourd'hui normalement. Mais n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à y aller. Et regardez, il y a une petite nouveauté. Il y a une petite nouveauté sur Twitch. Si vous allez en bas là, pam, 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 vous voyez, il y a un petit top. Il y a des tops maintenant. Sur comment ça s'appelle sur mince sur ceux qui passent le plus de temps sur les lives et ceux également qui envoient de plus de messages. Donc là on voit qu'il y a Picsou, Gugnard, Gif et Axman qui sont ceux qui ont envoyé le plus de messages depuis la reprise des streams et Aurélie, Gugnard et Axman à égalité. Ah non, Axman, oula, il a perdu. Voilà, Axman, il est parti, je l'avais pas vu. Ouh, je l'ai pas vu, ça va se payer cher, ça. Et donc, du coup, voilà, vous allez pouvoir, et en fait, vous pouvez checker la semaine, donc là, c'est la semaine de la reprise, au mois, et après, au global, depuis le début, bah, c'est Rimastino qui a passé 57 heures sur mes lives. Alors, je sais pas qui tu es, Rimastino, Je crois que tu ne publies pas de commentaires, hein, ça me dit rien ce pseudo. On a Wick Caraben, mais il n'est pas encore là, mais voilà, Wick qui est là. Et Alexing qui est là, et Axman qui est au pied du podium. Et Axman, là pour le moment, il n'y a pas Alex. Il y a moyen que tu puisses choper le podium. Hein. Et donc voilà, et ceux qui ont écrit le plus de messages depuis toujours, waouh, Gif! 1900 messages pour GIF, 1700 pour Sky qui n'est pas encore là, et 1340 pour Plinks. Donc voilà, j'ai installé comment ça s'appelle, ce petit plugin. Je me suis dit, ça peut être marrant d'avoir les petites stats. Donc n'hésitez pas à décrire à fond des commentaires dans le chat pour être dans le top. Donc voilà, bon ben je vais spam les messages, je suis déterminé. Bah voilà, c'est fait pour de toute façon. Le chat Twitch, il est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à tout envoyer. Comme ça, bah comme ça, vous monterez un petit peu dans le classement. Et salut Gonren, voilà, salut, bienvenue à toi. Et salut Arcro, salut. Axman, t'es trop fort mon ref. Mais oui, Axman, c'est. Ah mais si, Sky, il est là! Il est là mon Sky, salut à toi. Ben voilà, tu fais partie du top 3 des gens qui ont écrit le plus de messages dans le chat depuis le lancement de la chaîne. Donc tu viens défendre ton titre, c'est cool. Ça va super bien et toi Arcro, merci d'être là. Marvel Galactus, tu en penses quoi du nouveau Crash Bandicoot multijoueur qui a été annoncé? Mais c'est tellement de la merde. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça sans déconner? Pourquoi ils font ça? Je comprends pas moi. Moi, je comprends vraiment pas.
Bon, je vais pas juger trop fort, hein. On y jouera quand il sortira, mais c'est scandaleux. Et coucou moi Attila, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Les amis, il est 20h15. Je pense que c'est un petit peu le moment de prendre la manette. Et gars, GTA Best qui est là. Donc comme je disais ce soir, on part sur Crash Bandicoot. Crash Bandicoot qui est sorti en 1996. Et voilà, quand on parle du loup, il y a Weed Caribbean qui arrive. Et merci, 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 merci pour tes beats. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Et on disait, Wick, tu fais partie du top 3 des gens qui ont écrit le plus de messages dans le chat et qui ont suivi le plus d'heures de live. Bravo, bravo à toi et merci. Et merci. Et il y a Slash qui nous fait salut, j'ai hâte de te voir rager. Ouais. C'est Crash Bandicoot, c'est. Du coup, pas de live TDU. Si, si! Si, si, le live TDU, il sera de 20h à 23h30. Et 23h30, je migre sur la chaîne de Yannick. Donc, si, si, il y a live, bien sûr. Le planning, il est là, les amis. Tac. Le planning, il est là. Je l'ai publié sur Twitter. Et sinon, si vous voulez le voir, vous allez sur mon site. Ah, bah, génial. bonjour, j'aimerais accéder. Voilà. Et vous allez sur mon site. Et le planning, il est affiché toutes les semaines. Toutes les semaines. Et n'hésitez pas à checker mon site également. Vous retrouvez voilà, les dernières critiques. Vous retrouverez tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Comme ça, vous ne louperez absolument rien du tout. Comment vas-tu, mon Chris? Bah, ça va super. Pour le moment, ça va. Peut-être que ce soir, à la fin du live, ça ira un peu moins bien. Parce que comme je vous dis, ce soir, on part sur Crash Bandicoot. Alors, on part sur la version Ensign Trilogy. Ce sera un petit peu plus joli à regarder. Mais c'est bel et bien le jeu qui a été développé par Naughty Dog en 1996, qui est sorti sur PlayStation et qui a la réputation d'être extrêmement compliqué au point où c'est Sony qui a demandé à Naughty Dog tout simplement de baisser la difficulté. Pour Crash Bandicoot 2 qui est sorti en 1997 parce que effectivement c'était beaucoup plus dur, beaucoup trop dur. Du coup les amis, on bascule. Il y a le lien OnlyFans sur ton site, bien sûr, bien sûr. Et pour tous ceux qui sub pour une durée d'un an, vous recevrez un nude par la poste. Voilà, donc comme ça, n'hésitez pas. Voilà. Tu nous as manqué, bah c'est gentil, GTA Best. Je suis très content d'être là. Mais va falloir vous habituer parce que malheureusement, après là, pendant 3 semaines, il va pas y avoir de live. Hein. Il va pas y avoir de live parce que... où est-ce qu'on sub? Ah non. Ah mais c'est la musique quand tu lances le live. Mais oui, c'est la musique de mon générique. Mais moi, Crash Bandicoot, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie, Crash Bandicoot. C'est vraiment le tout premier jeu de ma vie. C'est Crash Bandicoot 2. En 1997 quand j'ai eu ma PlayStation. Donc ouais, c'est pour ça que quand il y a des gens qui sub ou qui follow, on voit Crash apparaître, tout ça. Moi Crash c'est vraiment Et salut Tiger. Salut Tiger, salut les modos, salut les amis dans le chat. J'espère que tu as détendu mon Chris, meilleur vœu mon ami. Bah oui, c'est vrai que tu étais pas là hier Sky. Bonne année et bonne année à ceux qui n'étaient pas là bien sûr hein. Bonne année, meilleur vœu effectivement. J'ai joué il y a longtemps sur PS1, depuis je me souviens plus trop. Bah tu vas le redécouvrir. Tu vas le redécouvrir et tu vas pouvoir prendre vos popcorns parce que vous allez découvrir une nouvelle facette de votre streamer et youtubeur préféré, j'espère. Hein. celui qui rage un petit peu. Naughty Dog en sort souvent des Crash Bandicoot. Bah ils en ont sorti 4. Et depuis 1999, comme la licence ne leur a jamais appartenu, bah ils en ont pas ressorti. Donc voilà. Sur cela les amis. Eh ben, je pense qu'il est temps. Hein. Il est temps, il est temps. On va commencer, bien entendu. Alors, attendez, la version intégrale. Ok, accepté. La. Ah, j'ai pas installé mes sauvegardes. Je suis obligé de. Bon, de toute façon, je comptais recommencer, mais. Je vais voir ton côté obscur. Je t'avais pas fait une vidéo sur un niveau hyper dur. Mais, docteur Cortex, ça me dit rien. Nous n'avons pas trouvé la je crois cause pas. Des précédents échecs. Imbécile! Ce Bandicoot sera mon général, et il guidera mes commandos Cortex pour dominer le monde. Cette fois, je vais régner en maître. Nous
sommes plus près du but que jamais. Vite, dans le vortex. Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Encore un échec. Capturez-le. Ils sont extrêmement bien faits, ces remakes. Franchement, c'est un très gros taf. Ah bah, si forcément, si tu parles du jeu original, Momo, c'était beaucoup moins beau, effectivement. Je veux voir ton côté obscur. Bah, vous allez le voir. Vous allez le voir. C'est pas avec toi qu'on avait parlé sur le live de Kofi. Peut-être... Ah oui, Caraban, c'était pas bon. Il va nous faire marrer avec ce magnifique jeu. Ouais, je pense que vous allez vraiment vous marrer. J'ai adoré Crash Bandicoot de Todd Forbob, mais j'arrive pas à retrouver l'essence nostalgique et le gameplay de l'épisode. Ah, moi j'ai vraiment kiffé, hein. Je m'y suis retrouvé. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué, que j'avais pas autant kiffé. Jouer à Crash, ça cherche la crise de nerfs. Et ouais, et bah les amis, c'est parti. Allez. Et c'est vrai qu'il est, ils sont, les remakes sont incroyables. Franchement, je suis très très content. Ah oui, on peut pas comment ça s'appelle, on peut pas glisser dans celui-là. Les remakes sont vraiment cool, ils ont vraiment fait du très 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 bon travail. Et voilà, on va essayer de... Le gameplay du premier en plus, il est pas... C'est pas aussi... Quoi? Ça commence... Comment ça? Comment ça? On est d'accord que j'ai pas... Ça commence. Faut que je me réhabitue, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Crash Bandicoot, le premier, et le gameplay il est vachement... On va prendre des vies parce qu'on va en avoir besoin, les vies. En fait, le secret dans Crash, c'est de ne pas se précipiter. Le mec, il parle un peu comme un... un expert, alors que il est... Enfin, alors que je vais mourir. J'ai trop du mal à anticiper. Non, mais... Ok, ça va être très compliqué, les amis. Ok, là je crois que j'ai beaucoup de pression. Comment je perds mon masque? C'est n'importe quoi. D'habitude, ce niveau, je le fais en parfait. Bah, en fait, les masques là ils servent à ne pas mourir, à ne pas perdre de vie. Ce que je fais déjà très mal, puisque sans les masques, je serais déjà mort trois fois. Bon, c'est le début, c'est parce que je suis pas très concentré. Je vais me concentrer. Mais la honte, comment ça je meurs dans le premier niveau? Putain, je regardais... en fait, faut pas que je regarde le chat. A chaque fois, je regarde, je jette des coups d'œil et ça me... Ça va faire comme avec les jeux de voiture et tout ça. Allez. On y va. Déjà, j'ai fait... Voilà. Comme je disais, dans Crash Bandicoot, il y a une technique simple, c'est de ne pas se précipiter. Et réfléchir. Et là j'ai pas réfléchi. Parce que là du coup en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de revenir en arrière sur un chemin inconnu. Alors qu'en fait il suffisait de revenir en arrière sur un chemin que j'avais déjà pris. Voilà. Et où je sais qu'il n'y a pas d'ennemis pour y avoir. Tu le fais en, tu te fais encore avoir. Bah ouais. Putain là j'ai... Putain, en plus je joue avec les flèches directionnelles, je suis en galère. Allez, c'est pas grave. Faut que je me remette dans le bain. Mais non, mais on est d'accord que là c'est abusé. Ça commence. Chris, on te laisse pas distraire. C'est quand même un peu abusé. Yo Chris, trop content de te voir en live sur Twitch, je commente souvent les vidéos sur tes chaînes, je me suis dit que c'était le moment de venir te suivre ici. Eh ben, bienvenue, c'est Leshini. Leshini, bah bienvenue, tu fais bien, et merci pour le follow, bienvenue à toi.
Allez, c'est parti. Ça s'annonce bien. Ah là là, bah oui, ça s'annonce bien. Mais forcément, c'est un jeu old school. C'est, le gameplay n'est pas précis. Enfin, voilà. Hein. Putain, ça, c'est la loose quand même. Alors après, dans Crash, j'ai un gros point faible. C'est justement ça en fait. Là, quand il faut sauter. Mais c'est pas possible, j'avance d'un centimètre et il tombe. Ça va être très long les amis. Ça va être très très long. Et en fait, dans Crash, faut aller doucement. Mais forcément, là je commence à aller vite parce qu'en fait, à force de perdre, ça me saoule. Et ça me gonfle de perdre au même moment. Non mais là, allez, on y va. On est bien. Voilà. On est bien. Allez. Cette fois les amis, c'est la bonne. Je vais abandonner les flèches directionnelles et je vais faire les caisses. Enfin je vais abandonner les croix directionnelles et avancer avec le joystick. Ce sera peut-être un peu plus précis. Effectivement, avec l'analogique, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Depuis tout à l'heure, j'étais. Ça, c'est vraiment abusé. Voilà. Bon, allez. Ça commence avec un premier niveau parfait. Bon, on aura galéré. Mais voilà. Il est réputé sur. Ah, bah, il est réputé pour être impossible. Impossible même. Et bienvenue à Akinawa 34. Bienvenue à toi. Non, mais sur Crash, c'est super compliqué. Bah je rage pas, ça fait 5 minutes. On va éviter de rager au bout de 5 minutes. On va rager un peu plus tard. Yo moi Alexim, bah oui ça va être là. Déjà j'ai mis un quart d'heure à finir le premier niveau. Franchement le jeu est beau même. Ouais. Bah après c'est le remake hein. Le tout premier sur PS1 c'était pas aussi beau mais Et salut Tib, ça fait plaisir de te voir sur Twitch, bah carrément, merci d'être là. Le niveau du pont, c'est l'enfer. Ouais, le niveau du pont, on va... on va rigoler. Allez, c'est parti. Bon, alors, faut savoir que là, j'ai galéré au premier niveau. Alors, faut aussi que je me remette dans le bain, hein, parce que ça fait depuis 2000... depuis 2017, c'est la sortie du jeu, que j'ai pas rejoué. Donc, ça fait quand même 6 ans. Donc, faut se remettre dans le bain. Mais en fait, faut savoir que le premier niveau, c'est le niveau très facile. C'est le niveau très facile. Et donc j'ai déjà galéré dessus, donc ça promet. Voilà. Hop, on va attendre que les putois tranquillement. Voilà, se suicide. Hop là. Hop là, ça va se suicider tranquillement. Allez, on se précipite pas. Waouh, on est bien, on est bon, on est bon, on est bon. Hop là. Il y a un truc là-haut. C'est vrai que là on n'a pas de coups spéciaux ni rien. J'ai un peu fait le fou. Bon là il y a 4 putois, ouais c'est toute la famille là. Allez, quand on se concentre un petit peu. Là c'est technique. On est technique, mais on est bon là. Allez, niveau bonus. Les niveaux bonus, pareil, c'est un peu la galère. Il y avait Gomard qui avait fait un speedrun. Oh putain, les déter. Hein. Speedrun sur Crash Bandicoot, ça doit être tellement l'enfer. J'avais abandonné ce jeu par frustration de chute mortelle, bon courage. Ah bah écoute.
Les niveaux Embryo, l'enfer, le trou, ouais. Tous les excuses sont bons pour s'en servir. Comment ça, quelles excuses? J'ai pas fait d'excuses là. Eh ben voilà. En fait, ce qui est vraiment frustrant dans les crashs, c'est effectivement les sauts. Je trouve que les sauts, et encore plus dans celui-là, ne sont pas du tout précis. Et en fait, j'ai beaucoup du mal à anticiper en fait les sauts. Et même tout à l'heure, je me faisais niquer par les ennemis. Parce que j'ai l'impression qu'on sait pas trop... Oh non, le piège! Voilà, je parle, je me concentre pas. Oh non, trop deg! Putain, j'avais deux masques! Trop le seum! Ah, il manque 3 caisses. Il y a des gens pour speedrun absolument tout, donc crash ça m'étonne pas. Ouh, et après ça m'étonne pas non plus, mais ils ont la déter. Hein. Ils ont vraiment la déter. Bah on va faire un speedrun, hein. On le finit ce soir le jeu. Tu m'as fait voyager gratuitement avec ton reportage Welcome to Los Santos. Merci, hâte de vivre l'expérience. Ah bah écoutez, oh putain celui-là il est horrible. Ce niveau il est horrible. J'ai pas fini de vous faire voyager. Hein. Il y a le gros vlog d'Hawaï de 4 heures qui va arriver là début 2023. Et il y a d'autres vlogs qui vont arriver. J'en dis pas plus. Mais pour ceux qui aiment un peu les voyages, je crois que je vais beaucoup vous faire voyager en 2023. Speedrun de San Andreas en 13 heures. Allez, c'est parti. Alors ce niveau, il est horrible. De mémoire. C'est le piège. Là, on commence les niveaux qui, pour moi, sont un peu techniques. Et où je pense que la rage va commencer. Qui sait, peut-être qu'avec la pression du live, je vais faire des masterclass. Hein. J'y crois pas du tout, voilà. voilà, on est sur une belle masterclass. Allez, on y va. Un checkpoint. Voilà. J'ai failli faire le fou. Non plus que Welcome to New York. Welcome to Liberty City. Liberty City. Tu comptes faire les vieux insomniaques par exemple, les premiers Ratchet & Clank? Pourquoi pas, hein. Tout est sûr. Hein. Tout est faisable sur la chaîne. Franchement. Allez. De toute façon, tous les jeux Rockstar et Naughty Dog vont déjà y passer tôt ou tard. Et après, pour tout ce qui est, j'ai plein de jeux. Là, on fait The Witcher. Ah putain, c'est vrai qu'il y a lui là. On fait The Witcher, on fait Test Drive Unlimited. Donc tout est susceptible d'y passer. Là, on va faire Hogwarts Legacy, on fera les Assassin's Creed. On fera des vieux jeux, des jeux récents, on fera tout. Ça va être la guerre là. Assassin's Mirage, j'espère un vrai retour. Mirage, on le fera aussi. Et oui, on j'espère aussi un vrai retour aux sources, effectivement. Oh non! Putain, bon, ça va, les niveaux bonus ça compte pas. Ça compte pas les niveaux bonus. Ah mais on perd notre masque. Oh les bâtards. Je m'en souvenais plus de ça. Oh c'est salaud.
Oh non, putain, j'ai cru que j'étais pas dessus. Putain, les niveaux bonus, c'est l'enfer sur Terre. Bon, le niveau bonus, c'est vraiment l'enfer. Pour moi, le ça compte pas. Hein. C'est vraiment pour dire merde. Oh l'enfer. Mais c'était sûr, c'était sûr. Un die and retry. Mais les niveaux bonus, c'est ça. Ils ont l'air super simples, alors certains. Allez, let's go. Chris en ratio de 0,3, ça va bégayer. Quel état t'avais opposé le plus de résistance à l'époque? Ah, j'étais à 3. J'étais à 3, c'est un enfer. Hein. J'étais à 3, c'est un enfer. Putain, j'en étais sûr. Mais j'en étais sûr. 30 sur 38, comment ça, il manque 8 caisses? Comment ça il manque? Ah mais c'est ces fameux. Ouais c'est après, faut revenir après. Hercule ça peut être bien aussi. Non mais en vrai Hercule sur PS1 était excellent. Hein. Était excellent. Et c'est pas impossible qu'on fasse des anciens Disney. Hein. Franchement j'ai envie de. Là pour l'arrivée de Hogwarts Legacy, on risque de refaire les Harry Potter sur PS1 et tout. Hey Kaylon! Bienvenue! Bienvenue, ça fait plaisir. Tarzan aussi. On se fera peut-être un marathon Disney. Oula, Boulders. Alors celle-là, c'était vraiment la grosse panique. La grosse panique de l'époque. Bah ça va et toi Kaylon, ça fait plaisir de te voir. Bah allez les gars, là on y go. Ça va, premier run, on est bon. Harry Potter 3 me faisait peur avec les détraqueurs. J'ai tellement hâte de Hogwarts Legacy. Mais je pense qu'on fera... Oh non, il a pas sauté, j'ai vraiment appuyé, il a pas sauté. C'est une honte. J'ai vraiment hâte de Hogwarts Legacy. Et je pense qu'on se fera un live spécial Harry Potter. J'aime bien ton collier, on dirait un artefact un peu spécial. Bah, c'est la bague de Nathan Drake. Et c'est une réplique officielle, hein, c'est pas celle qu'on a dans le collector à 15 balles, j'ai payé 180€ l'anneau. Plaisir partagé, quoi de beau? Bah écoute, pas grand chose. On prépare tranquillement pas mal de gros projets pour 2023. J'ai 3 semaines de déplacement qui m'attendent la fin janvier. Mais c'est super cool, et toi Kaylon? Allez. Ah là là, putain, ça me fait paniquer parce que il y a un petit temps de latence et il y a un petit temps de latence et c'est pas tout le temps qui saute. Allez, deuxième run c'est bouclé, on est bon. C'est ce niveau qu'il y a dans Uncharted 4. Yes, c'est ce niveau, c'est le premier de Boulder. Où Nate et Elena jouent ensemble. Allez mon petit crash. Reprendre l'avance. Mais elle arrive trop vite là, Non, non, j'ai voulu. Mais non. Allez, on est reparti. Très proche là quand même.
Oh là là, la pression. Oh là. Non, comment ça? Comment c'est possible qu'il a pu sauter plus loin? Ah non, c'est un scandale! Putain, j'avais oublié qu'il y avait un saut direct, ça y est, je suis en panique. Mais comment ça, il a sauté plus loin? Hop. En fait, faut pas faire des doubles sauts, faut faire un seul saut. Et voilà, oh là 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 là, la loose. Putain, sur le dernier saut, mais ça, on n'a pas fini, hein. Ça à mon avis on va arriver. Chris actuellement, c'est un peu trop ça. Merci Eagle Eye pour tes cheers. Ouais, mais là encore c'est les petits niveaux doucement, hein. Je perds une fois, deux fois, on rigole. Quand ça fera 150 fois que je meurs. Et salut Miss Picsou, coucou. Tu vas sauter trop tard, plus long de saut donc. Ouais, mais bon. Tu sens comment le rachat de Microsoft Activision pour compte des avis? Alors personnellement, on est un peu... Oh là là, ces niveaux ils sont horribles. Là on commence dans le dur, là on commence les niveaux un peu merdiques. Personnellement, je vois pas ce rachat d'un très bon oeil. Et pas que celui-là en fait, tous les rachats. En fait pour moi... Sony, Microsoft sont en train de faire un peu une politique hypocrite en mode c'est pour les joueurs et tout. Mais quand on va devoir payer 150 abonnements parce que il y aura tel ou tel jeu exclusif sur tel abonnement et tout, enfin voilà. Pour moi, il faut des exclus, mais trop d'exclus, ça tue un peu l'exclu. Du coup, je le vois pas d'un très bon œil. Mais au fond de moi, je m'en fous un petit peu. Enfin, je trouve ça plus stupide qu'autre chose. Je trouve ça plus stupide qu'autre chose, cette guéguerre entre Spencer qui nous prend vraiment pour des cons en mode non, mais Activision c'est pas si énorme. Jim Ryan qui fait l'hypocrite au possible, genre le mec il a 250 studios et il y a 250 exclusivités, et puis là il pleure parce qu'il trouve que c'est pas normal. Enfin, je trouve que tout est un petit peu stupide et puéril, donc honnêtement je ne regarde même pas l'affaire, je sais même pas où ça en est. Et je m'en fous un petit peu. Après, moi bon, c'est un peu trop beau, hein, bien entendu, je sais très bien que c'est pas possible. Mais je suis un... Oh non, j'ai niqué une vie, qui est con. Je suis un peu en mode, pour moi, il faudrait en fait que, surtout avec l'arrivée du Game Pass, du PlayStation Plus et tout, qu'il n'y ait plus d'exclusivité en fait. Que tous les jeux PlayStation sortent sur Xbox, qu'ils soient inclus Day One dans le PlayStation Plus et payant sur Xbox et pareil sur le Game Pass quoi. Que tous les jeux Microsoft soient Day One dans le Game Pass et qu'ils sortent sur PlayStation, qu'ils soient payants sur PlayStation. Enfin moi je vois ça comme ça en fait. Mais bon, ça c'est un peu le monde... Oh là là, il manque encore 3 caisses, fais chier. Eh, je suis pas mort à ce niveau. Je crois pas. Non, je suis pas mort. Merci d'être là les amis, vous êtes au top et sur la chaîne de la franchise de Chris, t'es au top, tu me régales. Bah merci à toi, ça fait super plaisir. Voir si j'ai pas loué des commentaires. Désolé du passage, je garantis pas mon arrivée ici ce soir avec internet. Je n'ai pas vu réseau 4G sur mon téléphone qui rame aussi en 3G. Bah écoute, déjà merci d'être passé, surtout si tu es en galère. Ça fait plaisir de te voir, Miss Picsou. C'est excellent comme idée. Merci Privatize. Je vais la soumettre à... Oula, premier boss. Je vais la soumettre à Jim Ryan et comment ça s'appelle? Et Phil Spencer, peut-être que... Peut-être qu'ils m'écouteront et que du coup j'aurai droit à une petite commission. Bon là ça va être la galère les premiers boss. Bah voilà, impeccable. Impeccable. Je suis pas du tout concentré. Je sais même plus comment on le bat en plus. C'est une blague. Ça saute pas. Il y a une latence, ça me rend fou.
Ah oui, c'est comme ça déjà, c'est vrai. Ça, il y a vraiment une latence. Regardez, je vais le faire devant vous, vous allez voir. Voilà. T'as le pouvoir du fil. C'est normal, certaines des gènes tu les auras appris, faudra... Ouais, faut refaire les niveaux, je me rappelle plus. Ouais. C'est bon là, je l'ai... Ça va, vous me pas finalement, ça a été plutôt simple. GG, merci, je... Hop, allez, c'est parti. Dans ce cas, que des fois, il y a des caisses cachées. Sois pas deg, Alex. Je vois que t'es un peu rageux là. J'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais pas fait. Non! Oh, mais ça, à chaque fois, je me fais piéger! À chaque fois! C'est vraiment bâtard hein, ce qu'ils font! Oh non! J'ai déclenché le truc trop tôt! Putain! Alors, non, du coup j'ai pas eu le truc embryo, génial. Bon bah tant pis hein. Faire gaffe parce qu'en plus il y en a. Waouh! Il y en a qui le. Il y en a qui s'effondrent comme les piliers là. Je vous avoue que je suis un petit peu... J'ai le cœur qui papite. Allez, come on! Putain, j'ai deux masques, je vais les perdre à tous les coups. À tous les coups, je vais les perdre. 21 caisses, à tous les coups, ça va être un niveau à la con. Bah voilà. J'en étais sûr. L'ennemi des youtubeurs, c'est le manque de temps. Arrives-tu bien à gérer le tien, Chris? Bah ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre des périodes. Genre là en fait, lundi matin, j'ai mon train pour Paris et je pars pour 3 semaines pour le travail, enfin pour divers projets on va dire. Et clairement, là j'ai un peu de mal. Là, c'est-à-dire que là je fais des très très grosses journées de 9h du matin jusqu'à 3-4h du matin. Parce que je bosse après les streams. Parce que j'ai plein de trucs à préparer. Je dois préparer pas mal de trucs.
Et donc c'est compliqué. Bah, je vais pas te mentir, le 3/4 de mon de ma vie se résume à ne pas avoir assez de temps. Clairement, c'est pour ça que les documentaires arrivent en retard, c'est pour ça et tout, parce que j'ai énormément d'idées, énormément de projets, mais c'est compliqué. Et là, on va dire que j'ai pris pas mal de temps parce que bah, j'ai eu quelques soucis en fin d'année, malheureusement. Mais en général, je suis quelqu'un de très organisé, de très. Putain, ouais, c'est sûr, ça me saoule, je suis vraiment trop mauvais pour sauter sur les caisses. De très organisé, de très perfectionniste, de très minutieux. Donc en général, j'arrive à bien gérer mon temps. En général. Concentre-toi. Bah ouais, mais là, je réponds au chat. C'est vrai que quand on se concentre, ça va plus vite, hein. Voilà, donc le chat, arrêtez de me poser des questions. Arrêtez de me parler. Vous me déconcentrez. Et je perds mes masques à cause de vous. Donc voilà. Qu'as-tu passé de niveau flashback dans le 4 alors? Putain, je me rappelle même plus. Si, c'était les niveaux avec les cassettes là, super dur. Ah le con. Mais oui, putain, c'est une. Alors j'ai 12 questions. Et ouais, le niveau flashback, je me souviens juste que c'était très dur. Ah oh, putain, fais chier, je suis dégoûté. J'ai fait n'importe quoi. Wouh. Je sais pas comment c'est passé là. Là, honnêtement, je sais pas comment c'est passé. Là, j'avoue qu'il y a eu un petit peu de chance. Mais un petit peu, hein, un chouïa. Il faut que tu sautes sur des caisses, donc tu viens de dire que sauter sur des caisses c'est pas ton truc. Bah non, c'est pas mon truc de sauter sur des caisses. Je ne suis pas fait pour ça. Et je suis très mauvais sauteur de caisses. Oh putain, Hogwald. Ça y est, les ennuis. Ah non, je crois que. Bon, les ennuis commencent aussi parce que ces niveaux sont aussi super durs. Hein. Oh là là, voilà, c'est super dur. C'est un speedrun. Là, on va perdre des vies, je vous le dis. On a commencé à 15 vies. Là, je pense que c'est le premier niveau rage kit qu'on va avoir. C'est incroyable parce qu'il y a vraiment un problème de latence. Quoi, mais j'ai sauté. Ça va me rendre fou. Je vais péter un pont. Je comprends pas. Putain, on a plus que 12 vies, ça me rend fou. Mais c'est strictement impossible en fait. Allez, let's go. Mais sans déconner, y a un bug là, on est d'accord, c'est strictement impossible. Je vais essayer de carrément le feinter. Ah mais non, mais d'accord, mais putain, mais qui con, mais quel abruti. Je croyais qu'en fait il... D'accord, ok, je croyais en fait qu'il se... Mais qui con. Mais oui. Mais j'ai cru qu'en fait il venait sur moi. Et je refais la même. Chat, posez des questions, mais je tombe, du connard. Ok, d'accord. Ok. On a quand même perdu beaucoup trop de vie. Génial, on a une vie.
la vie, c'est le plus important, la vie. Ah, il y avait son cousin qui était en train de... Mais non, mais non, mais non, c'est fait pour. C'est fait pour, putain, 8 vies, bordel. Je suis déjà mort, je sais pas combien de fois. C'est bientôt la fin, j'espère que c'est bientôt la fin. Là il faut sauter, là il faut encore sauter. On a regagné vie. Non, oh. Je pense que la petite queue du sanglier elle a fouetté le cucu du monsieur. Putain, il manque deux boîtes, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça et là on commence à. Là je sens que je commence à suer. Ah, aïe aïe aïe. Aïe aïe. Pourquoi je me suis lancé dans cette idée folle. Et dire que vraiment là, cette chance à la fin, mais c'est pas de la chance, c'est du talent. Arrêtez d'être des rageux. Ça y est, là je vais galérer. Mais ça va me rendre fou, Crash. Concentre. Je vous dis, la clé dans le crash, c'est prendre son temps. Prendre notre temps. On est bon, on est bon, on est bon. Quoi? Comment c'est possible? On est d'accord, là, il y a eu un bug. Non, mais non, j'ai sauté beaucoup plus haut. On va attendre. On va y aller. Oh putain. Oh putain. Ouhou. Non. Mais il y a vraiment une latence. C'est ça qui est insupportable. Parce que là j'ai réappuyé directement. Il a pas sauté. Et en fait c'est ça toute la difficulté. La vraie difficulté du jeu en fait. C'est d'anticiper la latence qu'on avait aussi sur le jeu original hein, et qui est un petit peu insupportable. Quoi? C'est quoi ce bug? On a 7 vies là. Oh putain, qui va me saouler. Non! Oh non! J'ai cru qu'il avait réussi! Je croyais que j'étais trop haut! Allez, concentration, concentration.
Ouh. Ouh. Quand tu vrilles et lui sautant dessus, tu le tues au cas où. Le mec avec le bouclier ? Allez, on est bon. On est bon. On remonte un peu les vies, sinon on aura besoin. 10 vies. Non ! Non ! Heureusement qu'on n'a pas de dégâts de chute, hein. Allez. Oh putain, il y a masque. Non ! Bon. J'ai pas vu, il y avait un masque. Cri va-t-il exploser avant la fin du live? Je pense pas qu'on finira le premier crash ce soir. Enfin, c'est même sûr et certain. Je crois qu'il faut 7-8 heures pour finir. Donc, je pense pas que je vais exploser ce soir. Par contre, lorsque je reviendrai de mes 3 semaines d'absence, et que du coup, je n'aurai même plus les skills suffisants, et qu'il faudra que... Concentration. Oh. Il faut pas se précipiter. Non, qui con. Mais quel abruti. Mais quel abruti. Mais quel con. Honnêtement, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher le masque? Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher le masque? Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça vaille vraiment le coup d'aller chercher le masque en fait. Ça va ou quoi? Bah ça va super et toi, Manimo? Merci d'être sur le live. Il arrive, il faut recommencer à zéro. Non, 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 non. Allez. Vous savez quoi? Le masque il va se faire foutre. Le masque il va se faire foutre. C'est... Alors là faut recommencer quoi qu'il arrive. C'était un peu des sadiques chez Naughty Dog quand même à l'époque hein. À quel moment tu fais ça? Et en plus, tu marketes le jeu pour un jeu pour les gosses. Mais combien de gosses doivent souffrir aujourd'hui de problèmes psychiatriques pour avoir joué à Crash Bandicoot dans leur enfance? Je vous le demande. Mais putain, Christ, te précipite pas! Tu dois sauter sur la caisse en fer en remontant. Et oui, mais je sais, mais c'est ce que... C'est bel et bien ce que je tente de faire. Hein. Mais avec la micro-latence... Allez. Non mais il a bougé tout seul. Merde. Allez, concentration. Mais bordel! Concentration.
Les sauts, c'est vraiment ce qu'il y a. Oh, en fait, je trouve que c'était le gros défaut du jeu. C'est que c'est pas pratique, c'est pas précis en fait. Chose qu'ils ont énormément amélioré dans Crash Bandicoot 2 et Crash Bandicoot 3. Là, il y a un genre de latence, je sais pas, qui fait que bah, du coup, le jeu il est pété quoi. Voilà, c'est bon, le masque, voilà, on a compris. Merde! Bien vu, merci pour le petit tips. Ah, nickel. En fait, je suis mort exprès pour avoir la... Pour voir la caisse qui me manquait. Comment ça va vous sinon? Vous prenez votre pied, vous... Allez là! Putain, le temps que mon cerveau réagisse en mode attends, il t'a balancé sur le feu. Et attendez, c'est les niveaux faciles. Hein. Attendez de voir. Mais tu me gonfles, mais bordel. Mais putain. T'as un civi, bordel. Mais. Bon. Super, on récupère une sixième vie, oui, parce que je suis mort d'un coup là. Tiens! Sac à merde! Oh là là. Il est vachement chaud quand même. Je veux pas dire, mais il est vachement. Bah ouais, mais là. Bref, je. Oh non, je recommence ici! C'est l'enfer! Mais ça passe! Je saute au-dessus! Mais. Il y a une latence de merde. On se concentre. Je vais pas faire un game over déjà. Pas le premier soir. Mais oui, c'est ça, en plus il y a l'endroit caché. Pourquoi j'avais oublié? Merci. Merci personne. Mais c'est pas possible. Mais attends, je suis capable de mourir là comme ça là. Mais oui, je suis capable de mourir comme ça. Mais j'en peux plus de moi. Mais putain.
Il me reste une vie, on va même pas finir le niveau. J'en peux plus. Et on en est qu'à la première île. C'est n'importe quoi, j'en étais sûr, c'était trop beau pour être vrai. Putain, dernière vie. On n'a plus droit à l'erreur. Là, ça veut dire qu'il faut qu'on y aille jusqu'au bout. Fin de partie. Putain, j'ai perdu mes 40 vies là-dessus. Non, même pas mes 40 vies, mais 15 vies. Oh non. Bon, allez. Allez. Ça m'a énervé. Je vais speedrunner le niveau. Après ce saut-là. Non ! Ça, c'est déconné ! Oh mon dieu, c'est pas possible, on va devoir refaire ça là. Un soir ça rage quitte, je paye 5 subs. Ah bah non, si je rage quitte, c'est moi qui offre 5 subs. Mais je ne rage quitterai pas. Je ne vous ferai pas ce plaisir. Mais te précipite pas, andouille! Mais quoi ? Quoi ? Quoi ? J'étais sur lui ! Mais je vais jamais finir le niveau, il me reste à nouveau 2 vies. J'ai perdu 14 vies tout à l'heure, c'est fini ? Mais il saute pas, ce renard à la con ! Je vais péter un plomb. Bâtard. On va boire un petit coup, hein. À boire de l'eau, bois de l'eau, Chris, bois de l'eau. Mais en plus il y avait le point de passage.
Tu as déjà fait une vidéo sur les origines de Crash Bandicoot, c'est pour un ami. J'ai fait une vidéo sur les 25 ans de Crash Bandicoot sur Naughty Dog Mag qui explique un peu toute l'histoire. Toute l'histoire de Crash Bandicoot, il me semble. Après, j'ai fait cette vidéo il y a longtemps, donc je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement de quoi il s'agit. Ah mais j'ai déjà plus de vie en fait. Non mais c'est foutu en fait. C'est foutu. J'ai plus de vie. Waouh. Waouh. Bah vas-y là, il pourrait me donner des. Oh putain mais putain. Quoi? Mais j'ai tourné avant. Et on va refaire le mur de la mort. Allez, faites-moi gagner 6 vies là. Chris va rage quit. Non, non, je vais pas rage quit. Je vais pas rage quit. Yes, une vie. Yes. Comment ça rager sur Minecraft? Minecraft c'est pas un jeu de... c'est pas un jeu pour rager là. Si? J'ai jamais joué à Minecraft de ma vie donc je peux pas vous dire. Mais allez, détruis là cette caisse. Allez, un petit sursis, on a 2 vies. 2 vies les amis. Salut Younes. Bah ouais, on est sur Crash. Alors, est-ce que ça fait plaisir? Ça fera beaucoup plus plaisir quand on sera sur Crash Bandicoot 2, sur Crash Bandicoot 3 et surtout sur CTR. Là, pour moi, le premier Crash, je te le dis, il fait pas si plaisir que ça. Il fait surtout rager en fait. Et voilà, ça recommence. Alors ça, c'est les archives sur ma chaîne. Mais normalement sur Naughty Dog Mag, t'as Crash Bandicoot 25e anniversaire ou un truc comme ça. Je crois. Enfin j'en suis même sûr. Mais non, j'ai le mental pour ça, j'ai le mental pour ça, je ne ragerai pas. Et encore moins rage quit, il se peut que je puisse être légèrement de mauvaise foi. Mais très légèrement. Mais je ne rage quitterai pas. J'en étais sûr, j'ai loupé deux, j'ai réussi 2 sauts. Je me suis dit, le prochain, à tous les coups, je me loupe. Ça.
non, 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 je le savais. Je le savais. On va encore faire game over. On va encore faire game over. Salut Haiders. Je suis sûr que tu reviens pour pas ranger. Après je vous le dis, bah, vous commencez à me connaître entre ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui ont pu me rencontrer en vrai. Je suis assez authentique dans la vie et je sais pas faire semblant. Donc j'essaie de contenir, mais au bout d'un moment, quand il va falloir que ça sorte, ça va sortir. Et là, je sens que... Putain. Mais non. C'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Ça commence très mal. Allez, allez, allez. Cette fois, c'est la bonne. Voilà, quand on se concentre, les amis, ça marche plus, tu vois. Utilise les messages en avant avec les points. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a ? J'ai loupé un message ? N'oublie pas, le 6 janvier, c'est les 4 ans de Naughty Dog Mag et le 17 janvier, les 10 ans de Rockstar. Putain, c'est vrai que le 6 janvier, j'ai le droit préparé. Tu fais bien de me le dire. Ah bah, voilà, tu vas plus rien voir. Ça avance bien. Oui, oui, oui. On est très content de jouer à Crash Bandicoot. C'est le moment de regagner 2 vies. C'était pas déjà le niveau quand... Non, c'est un autre. Mais c'est un autre qui ressemble beaucoup.
chute. Voilà, Momo, il a. Enfin, non, mais Momo, dis pas chute à Miss Picsou parce que elle se trompe. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. C'est un autre, mais vous savez. C'est le premier Crash Bandicoot, il y a beaucoup de niveaux qui se ressemblent, hein. C'était le premier jeu, c'est plus diversifié dans le 2 et dans le 3 bien sûr. C'est ce que j'aime avec toi Chris, ce côté tellement humain avec un cœur en or. Ah bah merci beaucoup Sky, ça fait super plaisir. Regardez-moi ça comme c'est simple. En fait je vous trollais. En fait je vous trollais. J'en étais sûr, je l'ai vu, ça va passer. Ah le seum. J'en étais sûr aussi, je paniquais, j'étais comme ça là. Putain, non, je vais pas nous reperdre au même endroit deux fois d'affilée. Waouh. Fou. C'est le dernier saut les amis, on peut pas louper là. Ah non, c'est pas le dernier saut. Ça me... Non, mais quel trou du cul. Oh là là. Non. Ça y est, je commence à paniquer. Il reste deux vies, bordel. Ce niveau de ses morts là. Ça c'était le dernier saut. Putain. Mais non. Non, mais c'est une grosse blague. Et merci, Waila. Merci, Waila. Plus de vie, c'est la dernière fois, les amis. C'est la dernière run. Et après, oh putain, alors il faut encore recommencer, je vais péter un coup. Concentration.
Oh génial, j'ai un point de contrôle ici quand j'ai plus de vie. Sac à merde. Non mais je vais péter un plomb. On va reboire de l'eau. On va reboire de l'eau. Bon. Allez. Et salut, Wella. Bienvenue à toi. Bienvenue, tu arrives au pire moment, bien sûr. J'ai envoyé un message à JDG, on a trouvé son remplaçant. La cinquième fois, c'est la bonne. On est déjà la cinquième fois? Non, c'est la quatrième fois. Dites pas ça, parce que là, c'est la quatrième fois, ça veut dire que je vais encore mourir une fois. Quoi? Mais c'est pas possible! Oh putain. C'est vraiment des sacs à merde. Bon, pour le moment, on n'est pas trop mal. C'est la centième fois, mais on ne dira rien. Oui, parce que Chris s'est entraîné, en vrai, pas du tout. Non, pas du tout. J'avais pas retouché le jeu. Mais j'aurais peut-être dû, en fait. D'ordinaire, je l'ai fait 4 ou 5 fois dans le mois. Il faut que je me... Qu'est-ce qu'on fait 4 ou 5 fois? Mon anniversaire? Tu as parfait car on rage beaucoup dessus. Le gameplay de qualité propose, c'est impressionnant. Ouais, gameplay de qualité. Bonne soirée, Eagle Eye. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Voilà, pour moi, on est sur run perfect. Hein. On est sur une run parfaite. On a 6 vies. Avec un peu de chance, on va arriver à 7 vies. Allez, faut bien que... Et je vous rappelle, on est dans le dernier niveau de la première île et il y a 3 îles. Ça promet. Ça va être incroyable. Voilà. Et ben voilà. C'est rondouin, c'est de la merde. C'était sûr,
c'était sûr. Quoi? Mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il fait ça? Crash, pourquoi t'as fait ça? Explique-nous, on veut savoir. Les gens ont le droit de savoir. Allez. Là je le sentais pas, là je le sens. Là je le sens, là je le sens, là je le sens. Hop là. Que ce soit la dernière, on n'est jamais allé aussi loin, et là je te le fais en une fois quoi. Donc j'ai ragé comme un porc. Oh oui, alors ça fait plaisir. Oh mais ça fait plaisir. Oh mais ça fait plaisir. C'est pas grave, on recommence. Ah non! Ah non! Ça me saoule ce timing. Mais allez là. C'est quoi ce bordel? Comment c'est? J'en ai marre. Je déteste ce niveau. Parle pas trop vite Alex, on y est pas encore. On l'a pas encore fini ce niveau de ses morts.
Bah putain. On a eu droit au premier niveau casse-couille. On va pas se mentir. Casse-couille, j'en ai plein cul. Allez, direction la deuxième île. Waouh, je suis en sueur, j'ai chaud là. Let's go. Allez, on se précipite pas. On se précipite pas. Quoi ? Comment ça, je peux pas le... Pour le singe, ça se passe comment là? Oh non! Mais qu'est-ce que... J'ai pas les mots. Ça commençait fort bien et... Et là je sens un trouble dans la force. Oula, oula, oula. On se calme. Alors le singe, qu'est-ce qu'il branle? Oh non, mais c'est ça, les perspectives, elles sont trop mal faites. Là, je vais me louper à tous les coups, je l'attends ou pas? On peut pas avoir un checkpoint là, ce serait pas mal. 48 heures, jeune Chris a réussi le niveau. Bravo, bravo. Mais qu'est-ce que je n'ai pas les mots, Chris Creep. Vous me saoulez. Vous êtes pas cool hein. Vous êtes vraiment pas cool. Putain, mais y'a pas de checkpoint dans ces niveaux là ou quoi là?
Bah oui, c'était sûr. Ah, je crois que le niveau bonus, ça fait office de checkpoint, non? Merde, j'aurais dû... Non, 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 non. On était tellement... Heureusement qu'on perd pas de vie sur les bonus, hein. Non, j'étais... Oh le con, voilà. Oh, ça va être compliqué. Non, mais sur les niveaux bonus, je m'en fous parce que je sais que les niveaux bonus sont très durs et qu'on perd pas de vie. Donc ça va. Le plus compliqué, c'est... Ah non, putain, mais... C'est mal foutu le système de saut. Oh non. Oh non. Non. C'est pas possible, on est à la fin. C'est pas possible. C'est vraiment le pire ce Crash Bandicoot 1. J'espère qu'on va le torcher en deux lives. Parce que quand même le 2 niveau gameplay et tout, c'est quand même mieux. Déjà, il n'y a pas cette latence où quand on saute sur les caisses, en fait faut appuyer deux fois pour qu'il rebondisse, sinon il rebondit pas. Et ça on l'a pas dans Crash Bandicoot 2 déjà. On va retenir l'Asie. La prochaine rencontre abonnée, ce sera un hôpital psychiatrique, bien sûr. Ben voilà. Oh non, oh pitié. Oh non. Là c'est moi qui ai pas appuyé. Mais quel abruti. Mais quel con! Oh non! Oh non! Oh non, j'avais pas vu derrière! En plus, c'est la fin!
Oh là là, il nous manque deux caisses. Où est-ce qu'elles sont? GG. Bah merci. Merci, vous voyez, je préfère ça que les messages de moquerie. Là, on est bien, voilà. GG de Attila. GG de Alex. Je pense que ça a dû t'égorger la gorge, mais bien joué. GG de personne, de Sky, de Wick, de Coco Moutarde. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Momo, voilà. Ça, là, ça m'encourage. Je suis sûr... Ah, merci, un boss. J'allais dire, je suis sûr que le prochain niveau, je le fais. Voilà. Il y a même Dznaz qui nous fait le premier... Voilà. Voilà. Voilà, GND. Voilà. Là, ça fait plaisir. ATNG, voilà. Là, voilà. Là, ça fait plaisir. Putain de merde. Bah oui, bah ouais, mais j'étais pas en train de regarder l'autre aussi, il est pas du jeu lui. Je me rappelle plus du tout. Ah oui. Ah oui, ça je me rappelle. Ça te dit pas de venir par là toi là? Oui mais qu'est con, mais qu'est-ce que je suis con? Qu'est-ce que je suis con? Oula. Non! La même chose. Voilà. Et ça tout. Oh non! Je me suis fait troller. Je me suis fait troller par une caisse de TNT. Oh la tristesse. Non! Et salut! J'ai vu quelqu'un qui est arrivé. Salut, boîte Sphinx! Bienvenue à toi! Oh non! Il a pas sauté, l'enfoiré! Non, 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 Chris, tu fais de la merde. Non, 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 il était mort, il était mort. Il était mort, je demande la VAR, je demande la VAR. Mais il était mort. On est d'accord qu'il était mort à la base. Non. Ah putain, Chris, tu fais n'importe quoi. Oh non.
Je regardais pas. Putain, je l'avais eu deux fois là. Ah l'enfoiré. Comment tu peux prédire ces sauts? Ça a l'air impossible. En fait il fait toujours le même cheminement. Donc c'est relativement simple. Bon voilà, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Même s'il y a eu, quand même, j'espère qu'il y a eu un clip. J'espère qu'il y a eu un clip pour qu'on puisse voir la VAR où je me suis quand même fait rouler. Je me suis fait rouler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce merdier encore? Et voilà, les GG qui pleuvent, voilà. Voilà, ça va là. Là du coup, grâce à vos GG, j'ai de la force et je sens que... Je sens que je vais me faire niquer à ce niveau. Waouh, il y a 3 vies. Tu sais que ça annonce la couleur quand déjà tu commences au niveau, il y a 3 vies. Wow, wow, wow. Comment ça? Oh là, je me suis fait bloquer par une feuille. Oh non. Ah oui, d'accord. Y'a un masque là-haut. Ok. On va rester. Hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je panique, je panique. Il est où ce masque à la con hein? Ah bah oui, ah bah voilà. C'est super la vie que je viens de gagner et qu'on perd direct. Oh non, je croyais que c'était mort. Il y a beaucoup de chauves-souris dans ce pays, hein. Oh non! Oh
Oh non, mais c'est quel genre de malchance? Mais ça, c'est fait exprès. Oh les bâtards. Oh les enculés. Violence jusqu'au bout. Ok, allez, on s'en sort pas trop mal sur celui-là, les amis. Comme par hasard, hein, quand vous... Je vais fermer ma gueule. Je vais clairement fermer ma gueule. Bah oui, non, si j'en étais sûr, bah oui, mais que je suis abruti. Mais non, putain, j'avais pas. Ah! Oh non! Comment ça marche là? Mais non, mais c'était sûr. C'était sûr. Salut Bennett le pizzaiolo! Caisse. On assure la sécurité maintenant. On est arrivé à un point où on ne peut plus se permettre. Mais j'en étais sûr, j'ai pas assez pris de. J'ai pas fait pris. Oh non, on recommence ici. C'est l'enfer. Thank you.
la moitié. On en est qu'à la moitié du niveau. Il y a deux vidéos qui sont sorties, Bennett. Il y a mon top 10 des jeux les plus attendus. Et... oh là là, l'angoisse. Et les prédictions Rockstar Mag. C'est l'angoisse, surtout que là, ça va être tellement de la chance. Oh, c'était sûr. C'était sûr. Dans ma tête, je me voyais déjà en train de me dire, ça y est, je suis le meilleur. C'est... aïe, aïe, aïe. Mais c'est super dur. Il y a une tactique, mais je sais plus laquelle en fait, ou pour arrêter de rebondir. Voilà. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Mais j'ai compris la tactique. On va faire ça. Merci Plinks pour les partages, t'es au top. Et merci Bennett pour le Sky, le Sky, le sub offert à Sky. Oh non! Oh non! C'est moche. Oh non, oh non, oh non, 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 non. Non. Putain, mais j'arrivais nickel. J'arrivais nickel et là ça y est, j'arrive plus. Non mais c'est un scandale. Allez, let's go. Voilà, voilà. Oh non, putain, mais c'est fini. Dès que j'en loupe une, je panique. Oh non! Pourquoi elle a pété tout de suite? Pourquoi elle a pété tout de suite? Et les gars, si on fait des feintes aussi, je peux pas y arriver. Hein. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Salut à toi, Liven! Oh non! Oh non! La dernière! Oh non! Oh non! Oh le seum!
Mais non! Ce niveau bonus commence particulièrement à me gonfler. Pour rester dans les termes polis, bien sûr. Bon, les amis. Heureusement qu'on perd pas de vie, hein, parce que là... déjà qu'il m'en reste que 4. C'est insupportable. C'est insupportable. Là, je me mets en mode FIFA. Hop, penché sur la chaise devant. On va arrêter de mode FIFA. Putain. Point d'exclamation réseau si vous voulez voir les réseaux, hein. Comme ça Plinks t'as même plus à le faire. Ouais, là je me suis énervé. C'est pas pour vous faire remplacer, c'est pour vous faire moins de travail. Putain, c'est incroyable ça. Putain, on leur mâche le travail, encore ça râle, non mais... C'est incroyable ça. Oh non, j'en étais sûr que j'allais me faire piéger. Mais c'est pas possible ce niveau. Putain, là tout à l'heure on était à une caisse. Une caisse, bordel. Je commence à avoir chaud, ça y est, je commence à transpirer. J'ai anticipé, j'ai pas pris ma douche aujourd'hui. Parce que je me suis dit, après le live de Crash, je vais avoir besoin d'une bonne douche. C'est incroyable ça. Hein. On était si proches tout à l'heure. Mais c'est pas possible, comment j'ai réussi à tout réussir tout à l'heure? Mais non, t'as payé pas en bas, c'est que vous êtes payé à coup d'amour. Et je vous aimerai toujours aussi fort. Voilà, rien qu'avec ça les amis, là je peux vous dire que... Ah oui! Bon. Allez. Oh, c'était sûr. Mais comment faire? Comment faire? C'est impossible! Non, le... Oh, le... oh le bâtard! Non, on est à la fin en plus. Faut que je me concentre là. Non mais c'est une blague, d'habitude ça te fait rebondir.
Non, je refuse. Je refuse de perdre là. Je refuse solennellement. Que là-haut il y a un truc à prendre, mais là je peux vous dire que vu où on en est, il me reste 4 vies. On n'allait pas prendre de. Je retire mon GG. Mais va te faire foutre. Le mec, tu lui offres de l'amour et il te fout un vent. Et ben, va te faire foutre. Et t'es viré. Les modos, viré Pings. J'ai partagé ta vidéo de Rockstar Mag. Bah, merci beaucoup, moi Attila. T'es au top. Merci beaucoup. Ma collection me lâche. Chet. Mais ça c'est le karma. Hein. Ça c'est le karma. Temple ruine. Aïe aïe aïe. Celui-là j'en ai des mauvais souvenirs. J'en ai de très très mauvais souvenirs. C'est parti. Eh merde, j'ai déjà loupé une caisse. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qui me prend? Vous savez quoi? Il reste 2 vies. On va recommencer. Mais bien sûr que t'es viré, Alex. Toi aussi. Fin de partie. Moi, les modos, je vous envoie de l'amour. Et vous, vous me trollez, etc. Mais bien sûr, vous êtes viré. Tu comptes faire cette R? Bien sûr! Et je... Waouh, putain. Là, je crois que ça lui a chatouillé le nez. Et cette R, j'aurais un bien meilleur skill. Putain, j'ai encore oublié. Putain, mais sûrement un abouti. Hein. Et sur cette R, j'aurais un bien meilleur skill. Je serais beaucoup moins ridicule. Ouais, les viewers, vous êtes au top. Les viewers sont au top. Les modos... Ok, bon là... Là, j'ai eu un petit peu de chance. Je pense que j'aurais dû un petit peu cramer. Oh non! Trop le seum. Oh
Oh non, il a pas sauté, putain, c'est horrible. C'est insupportable quand ça fait ça. Ok, je perds. Ah, je perds 3 vies comme un con, ça m'énerve quand ça fait ça. Mais non, putain. Ah mais il me restait pas une vie, faut recommencer. Mais non. Non. On va boire un petit coup. On va relancer un petit tweet pour leur dire qu'on est, pour dire à tout le monde qu'on est encore en train de ranger, de rager. Game over s'enchaîne. Mais les nerfs tiennent encore pour le moment. Hop là. Allez les amis. Allez, dire que j'ai platiné ce jeu, mais là j'ai tout mon respect pour toi. Tout mon respect pour toi parce que franchement, même moi qui suis ultra fan, jamais d'avis. Oh là là, j'ai encore. Ah, j'ai failli faire la même erreur. C'est incroyable. Mais quel abruti! Des fois, les amis, je pense que mon cerveau il fonctionne pas très bien. Je pense que mon cerveau. Je sais pas. Alors, je demande à mes parents s'ils m'ont pas fait tomber trop quand j'étais. Et merci Lulu Yuffie pour le follow. Faudra que je leur demande s'ils m'ont pas fait trop tomber quand j'étais enfant ou s'ils m'ont pas bercé contre le mur parce que. Des fois j'ai vraiment l'impression que mon cerveau. Moi j'ai un conseil, si jamais tu joues au joystick, moi perso j'ai abandonné et je suis passé aux flèches directionnelles qui je trouve sont beaucoup plus précises car tu gères les mouvements. Bah en fait depuis tout à l'heure j'alterne entre les deux. Des fois je fais les flèches, des fois je fais les joysticks. Je crois que je me cherche pour moi. Insupportable. Non mais là, je déteste quand ça fait ça. Ça pourrait vraiment faire racheter.
Pourquoi? Voilà, quand je dis... Quand je dis que mon cerveau il fonctionne pas bien et... Vous venez d'en avoir un type... Ça, mais c'est insupportable. C'est insupportable, putain. Putain, plus qu'une vie, je l'ai encore. Mais non. Fais marcher ton cerveau, Chris. Fais marcher ton cerveau, on t'a dit. J'ai failli tomber à cause de lui. Oh, le coup de flip. Il en prend des caisses sur la tête, le pauvre Crash. Tu m'excuseras, mon pote. Hein. Oh non, voilà. C'est ça là. Rock to Nowhere. Oh là 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 là. Bon. Les amis, bah il est l'heure de... De Maxi Rage Kit en fait. Et ben voilà. Ouais, ce niveau qui va être... Il me semble que les cochons on peut pas les niquer, hein. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On ne peut pas l'imiter. Qu'est-ce que j'ai fait? On n'a rien vu bien sûr, hein. On n'a rien vu bien sûr. Oh le bâtard!
Ah. Oh, go, 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 go. Pourquoi? Il a glissé, chef. Oula. Oh non. Putain, mais ça y est. Ça y est, je commence à... J'ai été parfait, là, et... Ah, presque! Oh là là! Oh non, il a pas ressauté! C'est pas grave. Oh, oh, oh non 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 non, j'aime... Ah, ça me saoule quand ça fait ça. Oh non. Vous savez quoi, il reste une vie. Non non, mais parce que Miss Pixou, tu ne sais pas la... tu ne sais pas la... l'utiliser. Oh non, putain, mais tout à l'heure ça marchait nickel. Là je panique. Enfin, je panique pas, mais j'ai trop pris la confiance. Mais qui est con. Ça me rend fou. Faut que je fasse comme il m'a dit, il faut que j'arrête avec l'analogique parce que c'est l'analogique en fait qui me fait perdre. Putain, mais ça partait tellement bien tout à l'heure. Oh non, le bâtard, putain. C'est vraiment un niveau des morts, franchement, celui-là. Je sais pas le mec qui a bossé chez Naughty Dog, qui a fait ce niveau-là, mais lui, faut lui faire un procès, hein. Un procès avec un suivi psychologique pour savoir si tout se passait bien dans sa famille, parce que là, forcément, qu'il y avait de la carence, hein. Et merci à Sarcelle pour le follow. Oh.
Mais non. Oh, tout à l'heure ça passait tellement bien. Et là maintenant j'y arrive plus. C'est quoi ce bordel? Oh le piège! Et j'étais pas avec l'analogique là. Mais sale... Mais sale... La première grosse insulte a failli sortir. La première grosse insulte a failli sortir. On est complètement d'accord, Wick. Celui qui a développé ce niveau, on le balance par-dessus. Hein. Oh non ! Putain ! Bon bah, dernier run les amis. Il a pas sauté ! Il a pas sauté ! Il a pas sauté ! Il a pas sauté. J'en étais sûr. Il est... J'étais sûr. Oh ! Le piège. Voilà, ça va être chaud. Hein.
Salut Nicolas Perret. Non. Mais non. Tenter là. Non. Oh, c'est abusé. Ah, là, c'est aussi abusé, là. Sans déconner, il est pas bientôt fini ce niveau là. Oh non! La fin était là! La fin était là! Eh ben super. Putain, c'est vrai que... Eh merde, qui est con. Et merci Enzo. Je crois que mon cerveau s'est mis en off. Allez. Voilà, merci. Quel niveau de merde, ce niveau de ces morts. Mais il saute pas. C'est insupportable. Faut quand même avoir les nerfs solides. Mais il y a vraiment souvent pour avoir les nerfs solides parce que en fait c'est le... C'est le jeu qui est mal codé en fait. Oh putain, c'est incroyable. Incroyable. On va y arriver, hein. On va y arriver.
crois qu'il faut pas que je prenne le masque. En fait, je suis obligé puisque... Puisque sinon... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais ce niveau il est horrible. J'avais oublié qu'il y avait ce port à la con. Oh non, ça rend fou. Ah! Fais pas des feintes comme ça, mec. Ah, oh, ça c'est horrible! Y'a rien de plus insupportable! On va rester bloqué sur celui-là. Hein. Ça me saoule. Ah, ah putain, c'est pas possible. Mais ce niveau il est pire que criminel. Ce niveau il est... Je pense qu'un mec suicidaire joue à ça. Bah c'est fini. Il suicide. Ah putain, j'avais oublié. Ça, quand il n'y a qu'une seule planche, c'est insupportable. Quand il y a une seule planche... J'ai encore oublié ce putain de facochère. Thank you.
je vais passer de l'autre côté, c'est sûr. C'est sûr que je vais passer de l'autre côté. Wow, c'est insupportable en plus. Il y a qu'une planche et il y a... Oh non, le pas de trop qui fait tout seul. Oh non, mais j'en peux plus. Et merci Vifit Gaming. Fin de partie. J'en peux plus. Merci Nicolas Perret, merci. Merci pour tes beats. Les gars, y'a pas le choix, faut qu'on le fasse aujourd'hui. Hein. J'ai pas envie de me taper celui-là en rentrant. Pourquoi je saute? Pourquoi? Y'a les nerfs qui lâchent, ça y est. Ça y est, y'a les nerfs qui lâchent. Y'a les nerfs qui lâchent. C'est foutu. Allez, 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 fin de partie, c'est bon. C'est incroyable. Ah non, non, là, il n'y a pas le passer la mission comme chez Rockstar. Hein. Mais c'est insupportable, celle-là, ça fait deux fois. Deux fois que je me tue sur celle-là. Qu'on est sur celle-là. Mais j'avais oublié qu'il y avait lui.
fatigué. Mais putain! Même là c'est foutu, il reste une vie, c'est foutu. Même si on atteint le prochain. Et merci Glimourish pour le follow. Si vous voulez rigoler, dites-vous qu'on est toujours pas au niveau bonus, donc on a toujours pas fait la moitié du niveau. Oh non, mais j'étais sur la planche en bois là. Ça fait combien de temps? Ça fait une demi-heure qu'on est là-dessus. Putain. Pourquoi il fait ça? On peut pas... Non, on peut pas recommencer là, faut que je perde mes 4 vies là. Ouah, supportable! Il faut être patient, Wick. Il faut être patient. Il faut être patient. Allez. On va bien y arriver. Oh non, ça c'est insupportable, ce petit pas en plus qui te nique la gueule. Ça rend putain de fou.
non. Oh non. Oh non. Fin de partie. Je déteste ce jeu. Ah, c'est... J'en ai plein le cul. Ça, c'est insupportable, putain. Putain, tu perds deux vies sur de la merde. Putain, ça rend fou. Allez, nique ta mère. Putain. Pas y arriver hein. Ça fait combien de temps qu'on est dessus sans déconner? Bonne ambiance ce soir. Oh là là, frère, ce qui me fait vraiment, qui me rend dingue, mais dans tous les jeux, hein, pas que sur Crash, c'est vraiment quand tu perds pour des, parce que le jeu est mal codé quoi que ce soit. Et là, les 2-3 fois où je suis mort, parce qu'en sautant, il fait le pas en plus, ça va, ça me rend dingue. Ça, je pense que je peux vraiment, vraiment, vraiment devenir fou sur ça en fait, parce que ça en fait, tu peux rien en fait. C'est le jeu qui aura, oh, putain. Voilà. Là, c'est moi qui fais de la merde, je m'en fous. Par contre, quand vraiment il y a le fameux pas en trop, mais alors ça je crois que là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. De toute façon, je veux passer ce niveau ce soir. Il y a pas moyen. Ah, voilà ça. Ça, j'ai envie de tout casser. Bah, de toute façon, c'est mort. Hein. Il reste zéro vie, donc c'est mort. Ça me donne envie, mais de tout casser. Parce qu'en fait, c'est pour rien, c'est juste le jeu qui est cassé, quoi. Et on peut l'accepter. Enfin, ils auraient pu quand même changer le gameplay là-dessus. On peut l'accepter dans Crash Bandicoot sur PS1 en 96. Mais là, ça. Là, dans le remake, ils auraient quand même pu le changer, bordel. Voilà, putain, en plus, je vais péter un plomb.
Oh putain, l'enculé là. Je... Et ce qui rend fou, c'est que dans Crash Bandicoot 2 et Crash Bandicoot 3, ça le fait pas. C'est juste le 1. Il y a le défaut sur PS1 et il y a le défaut sur, sur PS4 et tout ça. Et je comprends pas pourquoi quand même ça, ils ont pas pris le temps de le corriger, quoi. Enfin, je... Allez, hop. Bah, je peux pas monter sur la corde en fait quand les les trucs de bois sont marron foncé. Sinon j'ai pas le temps en fait. Il faut que je sois sur les planches de bois marron clair. Et le problème c'est que après il y a plus de... Oh putain, mais ça rend fou! Ça rend fou! Oh putain, ta mère! J'en étais sûr. Merci pour T-Shirts Week. Tu l'as déconcentré. Non, non. Là, au contraire, j'essaye de me concentrer mentalement, mais. Putain, on va devoir finir le live là-dessus. Là. Vu la chatte que j'ai eue, si c'est pas la bonne cette fois les amis, ce sera jamais la bonne. Quoi? Il a fait du surplace! Penses-tu que GTA 6 sera annoncé cette année? Eh ben, va voir mes prédictions. Oh, putain! J'en étais sûr!
Ah. Fin de partie. On est condamné à regarder ce niveau, les amis. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Putain. Oh non! Moi j'aime bien être condamné avec Chris et vous les amis. Ouais mais quand même, quand même, si on peut être condamné à streamer tous les soirs mais sur des jeux différents et sur des niveaux différents, ça peut être pas mal aussi quoi. Les gars, je suis la pression là, c'est... On est jamais... Ah non, on est au port du bonus, autant bien le bonus, on va gagner 5 vies. Ah. Pitié. Pitié. Pitié, donnez-moi 10 vies. Donnez-moi 15 vies, donnez-moi 20 vies, je sais pas, donnez-moi que des vies. Ok, deux vies et deux pommes, donc en gros tu te démerdes. Tu te démerdes, ok, on a que deux vies, mais comment tu veux arriver jusqu'au bout? Merde, je crois qu'il fallait que je garde la tortue. Mais oui, il fallait que je garde la tortue. Mais quel con, mais pourquoi j'ai pas monté sur les cordes et tout? Le truc de la tortue, c'est trop risqué les amis. Allez, crash, s'il te plaît. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et bonsoir Medux. Tu arrives au meilleur moment. Oh là là. Oh les gars. Les gars, je crois que c'est sur ça qu'on va littéralement s'arrêter parce que je suis complètement mort. En vrai.
en vrai de vrai, ça m'a sué, ça m'a tendu cette fin de... Waouh, bienvenue à toi du coup, Medux. Oh putain. Et c'est pas pour déconner, j'ai mal au pouce. J'ai vraiment mal au pouce. Mais avec plaisir, Medux, c'est normal. Tu viens de te faire accueillir au bord de la mort, mais bienvenue. Merci Wick pour les cheers. Waouh, cette nuit, si je raid d'un point avec des sangliers, ben on sera pourquoi. Mais moi, t'imagines, moi je vais rêver que je me fais attaquer et manger par des sangliers sur un pont. L'odeur de la piole, mon... Ah bah là, je te le dis, mon pauvre. Ceux qui vont mourir te saluent. Salut. Ah ouais, non, mais là, carrément. Carrément. Là, bah là je sens le sanglier. Pour le coup, je sens le sanglier. Waouh. Tain, les amis, je peux vous dire que là, je suis rincé. Je suis rincé. Du coup, putain, mais c'est incroyable. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Hein. Dans ma tête, je me suis dit, c'est mort, tu vas pas y arriver. Ça veut dire que là, tu vas partir 3 semaines, donc tu vas perdre du skill. Et bah, ça veut dire que quand tu vas revenir, tu auras encore moins de skill, donc ça va être encore plus difficile. Et donc du coup, faites pas du sport, jouez à Crash Bandicoot. Mais en vrai, en streamant en plus dans ma pièce, du coup, il y a le PC qui chauffe, là, il y a Play qui chauffe et tout. Voilà. Mais j'ai quand même très hâte de faire Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, CTR, surtout CTR. Là, il y a de corps à la rage. Ah ouais, non, mais là, je vous le dis. Voilà. Bon. Les amis, je suis en train de regarder. Oh, mais il y a beaucoup de monde qui stream ce soir. Chez qui on va aller faire un petit coucou? Captain Ishiro, on l'a déjà fait. Charlie, on l'a déjà fait. Ah, bah, il y a Enaolf. Eh bah, allez. On va aller chez Enaolf. Celles qui la connaissent pas, Ena, c'est la spécialiste du non-contenu. En fait, elle stream du non-contenu. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais c'est, vous allez découvrir. Nous, on se retrouve demain 20h pour continuer The Witcher 3. On évite de se faire trop de mal, on continue The Witcher 3. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Bonne nuit à tous et tout. Restez encore 5 minutes pour faire le petit raid chez Ena. Et nous, bah, on se dit à demain, les amis. À demain pour un nouveau live. Merci, Wick, pour tes cheers. Bonne soirée à vous. Et on fout le bordel chez Ena dès maintenant. Bonne soirée à vous et à demain.